بسم الله الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، شير فرير يسر السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je voudrais partager avec vous cette invocation combien importante. C'est une invocation qui permet donc de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits de la journée ou de la nuit. C'est une invocation extraite de notre recueil de 50 invocations tirées du Coran et de la Sunna. Comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé avec eux que même si nous essayons de compter ses bienfaits sur nous, nous n'y parviendrons jamais. Or, rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits est un devoir qui incombe à chaque être humain. Et plus on rend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits, plus il les multiplie, comme il l'a promis. Sa promesse est vérité immuable. La shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai mes bienfaits. Voici l'invocation qui nous permet de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits de la journée et pour ses bienfaits de la nuit. Allahumma ma asbaha au amsa bi من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد والشكر على ذلك. Voici la transcription pour ceux qui ne voient pas donc les textes arabes. Allahumma ma asbaha, donc on dit cela le matin, et on dit Allahumma ma amsa si c'est le soir. Donc Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد والشكر على ذلك. Et pour terminer, voici le sens ou la traduction de cette invocation. Ô Allah, tout bienfait qui m'est accordé ce matin ou ce soir ou à une de tes créatures provient de toi seul. Tu n'as point d'associé en cela. À toi donc la louange et le remerciement pour cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à appliquer cette invocation chaque jour dans notre vie, afin que nous puissions donc profiter davantage de ces bienfaits et pour qu'il les multiplie, les bénisse pour nous. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.